Bienvenue sur la chaîne d'AFTU Vidéo. Ici tu peux trouver tous les jeux dispo, du Tomb Raider en passant par Deadpool, Dying Light ainsi que ce vieux jeu Doom. De multiples séries sont présentes ici. Fais comme chez toi, poste tes likes ici. Je le fais pour vous, puis c'est ma passion. Le recording toujours à fond, sans oublier le côté colis présentation. Être un hero comme dans Caisse Dragoon. Plus de 400 vidéos sur ma chaîne gratuitement. Clique sur le bouton pour t'abonner maintenant. Bonjour à tous, c'est AFTU, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo découverte sur le jeu Assassin's Creed Origins. Donc ça fait très longtemps que j'attends ce jeu et je pense que c'est le cas d'une grosse partie d'entre vous. Donc seul petit inconvénient au début, donc on peut pas démarrer le jeu tout de suite, il faut télécharger la langue. Donc c'est genre 500, 600 MO, donc il n'y a rien d'exceptionnel non plus. Ça va assez vite suivant votre connexion. Donc c'est parti, alors luminosité... Ok, parce que là le symbole n'est pas du tout visible. C'est bon. Contenu bonus débloqué, c'est très bien. Magasin, option Ubisoft Club, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de démarrer le jeu. Nouvelle partie, normal. Maintenez pour une nouvelle partie, ok. Facile sur un assassin, c'est... Ce serait tellement dommage, quoi, tellement triste. Je pense que je couperai le chargement au montage parce qu'il est un peu trop long. Je vais éviter de trop parler pendant les cinématiques, moi aussi je tiens à découvrir le jeu en même temps que vous. Je tiens pas à me gâcher le plaisir des cinématiques du début. Donc si j'ai bien compris, dans Assassin's Creed Origins, c'est les origines du credo, en fait, le commencement, la création des assassins, en gros, entre guillemets, si je me trompe pas. Après, je découvrirai tout ça en faisant le jeu. Quoi ce regard là? Ce regard, il a changé d'un seul coup. Un an plus tard, pyramide. C'est toi le Medjay de Siwa? Je croyais que les Medjay devaient protéger le pharaon. Je ne suis le Medjay d'aucun pharaon. Tu vois ça? Je sais lire mon propre nom, Nek. On te trouvera. On te trouvera. Dans ton sommeil. Dans mon sommeil, je ne dors jamais. J'attends, moi. J'attends dans l'ombre. Et je vous tuerai tous. Tous ceux qui ont respiré l'air de Siwa ce jour-là. Ouais. Ah, ça commence vachement bien, ça. Par contre, ça fait un bail, j'ai pas joué à Assassin, ça va être chaud de... se remettre dans le gameplay. Tu as tué mon maître et tu m'as laissé pour mort. Tu as eu tort. Ton maître était un meurtrier. Tu vas, j'ai juré de le protéger. C'est une question d'honneur. Je suis le Medjay de Siwa. Ça fait de toi un ennemi digne de moi.
Qu'est-ce qu'il fait ? Mon maître. Je regarde un peu ce qu'il fait, mais voilà, il essaye enfin d'attaquer. Mais moi, je suis puissant. Je pense que je me méfie un peu trop, c'est juste le didacticiel. Ok, d'accord. Je suis fier d'affronter le dernier des Medjay. Putain, le machin, il est sérieux, il fait trembler le sol. Il y a tout qui est à s'effondrer. Ça, c'était sûr. Ah bah son marteau, il est tout de suite moins gros. Putain, le machin, il fait 3 têtes de plus, il s'en sert. C'est pas une arme brisée qui te sauvera. Cet endroit servira de tombe à l'un ou deux. Ce sera toi. Ah ok, attaque lourde. Ce n'est pas toi que j'ai juré de tuer. Mon honneur est en jeu. C'est un combat à mort. Tant pis. Ok. Merde. Ah, dans le dos, ça c'était un beau coup. Bim. Récupérer. Ok, massue lourde. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans ? Neck. Aucune issue. Bon, par contre, j'ai l'habitude de Metal Gear Solid 5 en ce moment, donc les contrôles sont inversés. Donc je vais avoir tendance souvent à baisser la vue au de la lever inversement. Aucune prise. La pulsion de la nuit. Il y a un chemin vers une autre salle. Qu'est-ce qu'il y a à trouver là ? C'est pas ça. Ces scarabées viennent sûrement de quelque part. Et si. Ah ouais, ça va être blindé de passages secrets et tout dans le jeu avec les pyramides, ça va être énorme ça. Alors, pour prendre une torche, flèche de droite. Il est vraiment pas mal, hein. Il est bien fait juste pour le début déjà. Je ferai pas une vidéo découverte trop longue, hein. Ce n'est, il n'y a pas de réel intérêt. Je ne pense pas en faire un let's play non plus. Ce serait beaucoup trop long à faire. Les let's play trop longs, je préfère éviter maintenant. Les gens s'en lassent assez facilement, il n'y a pas de réel intérêt à en faire. Hop. C'est quoi ici, un trésor ? Pardonne-moi, grand. Fer et des pièces. J'ai ok. Besoin de ça. À mon avis, il faut quand même rester en haut. Lâcher la torche. Ok, donc il y a de la lumière, ça nous dit pas où faut aller. Ah bah faut escalader, je suis bête. Alors. D'ici on saute où ? En face, ça devrait pouvoir le faire. Et non, on peut pas s'accrocher, c'est trop loin. Alors, où est-ce qu'on doit grimper ? Ah, mais je suis putain, je suis bête, il y a une porte juste derrière.
J'ai pas grillé le truc. Voilà. C'était tout con, moi je pensais qu'il fallait essayer de sortir par là-haut. Bon bah il y a de l'action là-bas, non? Ou c'est des civils? Non, ça se tape. Des soldats. Bien entendu. C'était quoi? Sur lui! À mort! Ebzefa! Attention! Bayek! Est-ce que c'est toi? C'est une embuscade! J'avais deviné! Voilà le Medjay! Tuez-le! Tu es ton ami, et moi je m'occupe du Medjay! Tu devrais déjà être mort! C'est ma foi! Tu mourras, on va s'en assurer! Putain, ah ouais! Voilà! Bah c'est bon. Ah, faut vraiment que je reprenne le gameplay en main. Hein. Il va me falloir un petit temps d'adaptation. Préparer une embuscade. Heureusement que je suis venu à ta rencontre. Aidez-moi. Regarde-moi cette barbe. Ça fait presque un an, mon ami. Quel plaisir de combattre ainsi. Je n'ai plus l'habitude. À Siwa, tout le monde obéit aux soldats sous peine de mourir. Ou pire encore. J'ai tué l'un des porteurs de masques. Le héron. Il en reste quatre. Tiens, le chemin a été long. Tu dois te reposer. Ah, non. Pas question. Je me reposerai quand les tripes des porteurs de masques cuiront au soleil. Bon ça. Qu'est-ce que tu m'as manqué? Ok, donc pour l'instant c'est une histoire de revanche, je ne pense pas que les assassins soient encore créés pour le moment. Te voilà, toi. Ça, on a une monture dès le début. Allons-y. Putain, il est speed. Comment vont les choses depuis mon départ? La vie est très difficile. Suivre route. Ok, ouais, donc quand on maintient X... Non, on appuie juste une fois sur X et ça se déplace tout seul. Les soldats ont installé une garnison et ils contrôlent tout. Une garnison à Siwa? Ptolémée veut mettre toute la région sous sa botte. Je fais de mon mieux pour veiller sur les villageois. Petite curiosité, la map. Donc, ok. Je sais pas si c'est si grand que ça, en fait, la parcelle. On va pas pouvoir se rendre compte de la taille de la map. Enfin, elle a l'air quand même assez énorme. Putain. Ah ouais, ça a l'air vraiment énorme. En plus, il y a toute une partie de mer, en fait, qui est en zone. Donc, on va peut-être pouvoir avoir des bateaux et tout. Parce que tout ça, c'est la mer. Ça peut être pas mal. Ah ouais, la map est vraiment grande, ça. Je sais pas c'est quoi. Déplacement rapide, ouais, ça, ok. Je ferai mon possible. Mais souviens-toi, je suis revenu ici pour rendre ma justice. Ah, je savais que je pouvais compter sur toi, Zeni. Là, y a rien derrière. Bon, la map, elle a peut-être l'air vide par endroit. Je pense qu'il doit avoir bien sûr des zones désertiques. Mais ça a l'air tellement bien foutu, les zones là. S'ils ont l'impression qu'un habitant leur ment, ils mettent le feu au hameau. Ou bien pire. Putain, il y a un mec pendu. Donc, on va regarder un petit peu la prochaine zone. Et je pense que la vidéo s'arrêtera pas longtemps après. C'est pas la peine de faire une vidéo de 3 quarts d'heure, 1 heure. Hein. Bienvenue chez toi, Bayek. Oh la vache. Siwa t'accueille à bras ouverts. Nouveau lieu découvert, Siwa. Belle oasis. Je sais pas si on peut le faire galoper, comment ça fonctionne. Lui, il marche sur les gens, il est sérieux, il s'en bat les couilles. Bon, remarque. Tant pis, hein. Ces villageois ont vécu un martyr. Personne dans la Wahat ne peut faire un geste sans être interrogé, menacé, taxé ou battu. Nous avons appris à obéir et à baisser la tête. Tu vois que je te mens pas, Séni. N'attirons pas l'attention. J'ai comme l'impression qu'il galère un peu l'IA du jeu quand même. Là, il avait l'air perdu avec la charrette, il savait pas comment contourner.
Rien ne m'attend là-bas. Non, après ce sera pas tué tout ça, je pense. Parle-moi de l'Ibis. Medunamon. Il est ici. C'est un vrai fléau pour l'Oasis. Comme tu peux le voir, les soldats sont devenus bien plus violents depuis son arrivée. Avant, ils buvaient et ils se bagarraient avec nous. Depuis que Medunamon est là, ils sont plus disciplinés et plus féroces. Je me donne une raison de plus pour le tuer. Il y a un symbole de fer à cheval là-bas. Ça va être pour améliorer la monture, etc. Je pense. Là, c'est quoi comme symbole? Bah, je sais pas, mais on découvrira tout ça par la suite, je pense. Après, je ferai peut-être. À défaut de faire un let's play et compagnie, je ferai peut-être d'autres vidéos comme ça pour le délire d'exploration de lieux, etc. Ça peut être sympa à faire. Laisse ta monture, elle ne s'éloignera pas. Comment on descend? Il se fout de ma gueule. Ah mais non. Ah ouais, faut maintenir rond pour pouvoir descendre, putain, faut le savoir. Repose-toi, mon ami. On a vécu une journée difficile. Ça, n'en ai aucune envie. Je dois me préparer à l'affronter. Hebzefa, les soldats ont encore. Payek. Rabia. Marabia. J'étais si inquiète pour toi. Ah, tu me connais bien. Tu as de quoi t'inquiéter. Regarde-toi. Des bleus. Des coupures. Je vais bien. Assieds-toi. Allez. Allez. Je vais m'occuper de ça. Voilà, il va nous faire une petite beauté. Toi et Aya, combien de fois je vous ai soigné? Vous mentiez à vos parents. Les temps ont changé, mais toi, tu es resté le même. Par le sommeil d'Osiris. J'ai cru que tu ne te réveillerais jamais. Ah, Rabia m'a soigné, je... Je t'ai laissé dormir. Il te faudra des forces pour affronter Medunamon. Et puisqu'on en parle... Un nouvel arc. Vois s'il te convient. On va tester ça. Tu cherches à l'atteindre à la tête. Donc on maintient L2 pour viser et R2 pour tirer. Trouver d'autres flèches là-bas. Du coup, est-ce qu'il me disait que je pouvais trouver d'autres flèches juste à côté? Hebzefa, qu'est-ce qu'il y a? Des soldats viennent te chercher. Allez, viens, vite. Personne ne doit quitter cette maison vivant. Hebzefa ! Nous venons seulement discuter. C'est quoi ce truc ? Ton ami le Medjay est sans doute coupable. Sors de là, si tu veux tenter de le disculper. Il a cru on allait partir. Tendez une embuscade. Nek ! Ils vont trouver mes lettres et brûler ma maison. Je comment on se baisse? Ne t'en fais pas. On peut je vais m'en occuper. Pour l'instant. Attention! Quoi? Qui est là? Baisse-toi. Il s'approche un peu trop. Moi? Alors. Maintenant, autour des autres. Ne
Laisse pas les corps où on pourrait les voir. Bah, t'es marrant, toi. Ramasse le corps. Personne ne nous sautera dessus. Ah, ok, c'est là qu'on récupère des flèches. Je sais pas où est-ce qu'on voit nos munitions, mais. Ils ne le verront pas ici. Ah, c'est bon, c'est lui qui a ramené le corps. Tant mieux. Il croit pouvoir nous surprendre. Il va avoir droit à une surprise. Ne te montre pas. Où est-ce qu'ils sont? Ne me dites pas me montrer, mais s'ils sortent pas, je vais pas rester là indéfiniment. L'arc est super bien foutu en tout cas. Faut qu'il arrête de bouger ce con. Il est en train de cramer ce con, je vais pas le porter. Oh, c'est bon. Mais il est encore en train de brûler, hein. Je vais me faufiler derrière eux. Par la gloire de Ré, on ne peut pas les laisser aussi brûler ma maison. Attends, j'ai tué l'autre qui est derrière, avant. Voilà. Il est seulement assommé. Voilà. Comme ça, c'est bon. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir les portes comme ça? Non, pas du tout. Donc là, il y avait une fenêtre et il y a les escaliers à l'intérieur. Le gars est juste là. Parfait. Récupérer. Je gaspille mes balles, mais c'est juste pour le délire. J'ai pas envie de les laisser vivre. Alors, est-ce qu'il y en a encore un autre là-haut? Non, il y a l'objectif, donc il est en bas le dernier. Il va me griller. Ok, pas grave. C'était le dernier. Merde, y'en a qui. Y'en a d'autres qui nous grillent du coup. C'est Neket Yadet se moque de tout. Il se croit tout permis. Ouais, c'est triste. Bah oui, mais je peux pas bouger, c'est une cinématique. Enfin, une cinématique. Bon bah au moins on a une petite scène d'action là qui va arriver vu qu'on est grillé. Ok. Allez venez. Il y a quoi là-dedans? Merde. Ouais si c'est bon. Je croyais que je tapais mon pote mais non. Par contre, je prends cher, je pense pas à esquiver et à me défendre. Qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est triste. Viens, monte avec moi. Je vais t'expliquer tous les devoirs du Medjay à Siwa. Ok, donc je vais le suivre et puis ça devrait. Il devrait avoir une cinématique, je pense que j'arrête après ça. C'est déjà pas mal, on a vu quand même un petit peu de gameplay. Tous les problèmes de Siwa sont là. Le jeu est vraiment sympa. J'essaie d'aider tout le monde, mais c'est impossible tout seul. Tu es en train de me dire que tu n'as pas les pouvoirs d'un dieu. Mais le vrai problème, c'est l'homme que tu veux tuer. Medunamun. Son arrivée a suscité de l'espoir. On a cru que les choses s'arrangeraient. On a vite appris la vérité, en fait. Je crains pour la sécurité de ta famille, prêtre. Je vais redoubler d'efforts pour la mettre en lieu sûr.
Voilà l'homme que tu veux affronter. Oh le bâtard. Je vais le trouver et je vais le tuer. Mais Dunamun est bien plus fort qu'il en a l'air. Et il sait s'entourer des meilleurs soldats. Ça ne changera rien. Tu vas te faire tuer. Il te faut un meilleur équipement si tu comptes affronter ce sac d'os. Au moins une meilleure armure. Ah, je peux m'en occuper. Les armes, ce sera plus difficile. Les soldats ont pris toutes celles du village. J'irai voir le forgeron. Oui, Benipe pourra te fabriquer quelque chose. Et c'est nous pourra t'aider à trouver ce qu'il te faut. C'est nous. C'est nous est en vie. Ok, donc à mon avis, il va falloir récupérer les matériaux et aller voir le forgeron pour qu'il puisse nous fabriquer des armes en cachette, quoi. Tu es superbe. Rabia a bien pris soin d'elle. Je dois la remercier. Les gens ont vraiment besoin de ton aide, Bayek. Tu peux les rallier à ta cause. J'ai bien compris. En gros, il nous demande de créer un cercle de personnes pour pouvoir combattre les ennemis, quoi. En gros, les assassins, créer les assassins, tout simplement. Ah, c'est vraiment intéressant. Juste le début du jeu, déjà. Faudra que j'explore un petit peu tout ça. Hop. Bon, quand je pourrais me déplacer, maintenir pour suivre. Nouvelle quête. Ah oui, il y a plusieurs quêtes en même temps, là. Alors, quête, donc il y a une principale, une annexe, zéro événement et une terminée. Donc on va voir quand même un peu le menu. Donc cible, il y a toutes les cibles là, sachant qu'il y en a déjà un qui est mort. Et après je pense qu'il y aura d'autres cibles par la suite, je ne sais pas. Donc là c'est toute la zone de la map qu'on a accès. La ville est quand même assez grande mine de rien. Bon, on en a vite fait le tour, mais elle a l'air d'être assez complète. Il y a pas mal de choses dedans. Donc les quêtes, on a vu. L'équipement, bah forcément. Arme à distance. Le bouclier, la monture. Fabrication. Aptitude. Oula. Alors, donc chasseur, guerrier, clairvoyant. Donc je vais plus côté chasseur, je pense, moi. Ça va être tout ce qui est arc et assassinat, ouais. Recycleur de flèches, ça c'est pas mal. Attends, c'est quoi? Permet de placer dans votre inventaire les flèches adverses plantées dans votre bouclier. Tuer un ennemi d'un tir dans la tête rapporte des bonus d'XP. Bah ça c'est intéressant. Première chose que j'apprends. Et j'ai encore des points de compétences. Ça c'est quoi déjà? Assassiner ennemi rapporte des XP bonus. En fait c'est nu, on peut le jouer. Pour explorer, ça c'est pas mal. Pour marquer les ennemis et tout. Bon, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Vous pouvez équiper un deuxième arc. Ok, bah ça me sert à rien. Pour l'instant, j'ai un seul arc de toute façon. Donc on va rester sur les XP. C'est assez intéressant. Après, j'ai encore un truc à faire. Ça, c'est quoi? Fouille après assassinat. Fouille automatiquement un ennemi. Ça, c'est sympa. Il faut 2 points, donc je peux pas. Dans clairvoyant, il y a quoi? Ah, ça peut être sympa. Méditer, donc le temps s'écoule plus vite. Il y a la météo, etc. En gros. Je sais pas comment ça marche. On doit pas pouvoir le faire n'importe où. Ah oui, on est obligé de suivre une quête pour par rapport au didacticiel, excusez-moi, sinon on peut pas continuer. Parce que je ne peux pas me déplacer. Niveau suggéré 2, c'est parfait. Voilà, maintenant je peux bouger. Parfait, parfait. Bon, bah, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez le jeu ou si vous comptez vous l'acheter, si vous l'aimez bien ou pas, ce que vous pensez du jeu enfin en général. Donc je vous ferai d'autres vidéos par la suite. N'hésitez pas à me proposer des idées de vidéos à propos du jeu si vous voulez en voir certaines. Genre des vidéos exploration, des vidéos où je provoque un peu tous les soldats en ville pour faire des petits combats épiques, ça peut être sympa. Enfin, n'hésitez pas à me proposer vos idées, je regarderai ça en fonction du temps que j'ai, etc. Pour en faire d'autres. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker si elle vous a plu. A très bientôt tout le monde, salut.